L'Assemblée nationale a abrité aujourd'hui la conférence des présidents conformément aux articles 12 et 21 de son règlement intérieur conduite par le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta. Cette réunion a vu la présence et participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Hassan Omar Mohamed Burhan, de la première vice-présidente de l'Assemblée et des présidents des commissions permanentes. En ce qui concerne son agenda, la conférence des présidents a délibéré sur l'optimisation de la transmission des projets de loi passer en Conseil des ministres. Ensuite, la transmission aux commissions permanentes compétentes des projets de loi en instance a été entérinée. Il s'agit de 5 projets de normes suivantes. Projet de loi portant réorganisation et fonctionnement du ministère de la Santé. Projet de loi portant sur la création d'un centre hospitalier universitaire CHU de Djibouti. Projet de loi portant adoption des comptes financiers 2020 de l'aéroport international de Djibouti. Projet de loi portant adoption de la stratégie en médicaments et produits pharmaceutiques pour la période 2023-2027 et enfin projet de loi portant adoption de la politique pharmaceutique nationale pour la période 2023-2027. Enfin, la conférence du président a retenu la date du lundi 26 juin prochain pour la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale.